Salut Hugo. Salut Benjamin. Alors Hugo, une année 2023-2024 avec beaucoup de changements. Tu accèdes à l'European Tour, tu changes de matériel. C'est une opération qui est toujours périlleuse, qui n'est pas anodine dans une carrière. Déjà, pourquoi avoir rejoint Wilson et pas une autre marque? On va dire que ce n'est pas anodin, mais pour moi, ce n'est pas une grosse opération parce que j'ai signé un contrat DAF Club avec Wilson et ça ne m'engage que sur les fers, en fait. Il y a sept fers, donc je vais jouer, je ne suis pas obligé de jouer les bois ni les putters. Pour moi, c'est juste bien trouver, bien affiner les lofts et les distances sur les fers. Pourquoi j'ai rejoint Wilson? Bah parce que honnêtement, c'était une super offre. D'un point de vue, déjà, on peut dire monétaire, sans donner de chiffres, et d'un point de vue contractuel, c'est-à-dire que j'ai que neuf clubs à choisir chez eux. Donc, je suis super volant, on va dire, sur le reste. Donc, je peux jouer le driver, le bois 3, les rescues que je veux, le sandwich, le putter, qui sont des clubs super importants. Alors que les fers, entre parenthèses, on veut dire, on cherche tous la même chose, quoi, une certaine distance pour un certain club, un certain taux de spin, et que ça tape un peu plus fort, un peu plus ou moins fort, ça change pas grand-chose, vu qu'on, de toute façon, on va jouer sur les lofts. Donc, et ils ont été, franchement, c'est une petite famille, des mecs qui sont présents, qui sont super à l'écoute, donc je m'entends très bien avec eux. Et ouais, le début de notre collaboration se passe très bien, ouais. Tu peux nous expliquer le process, c'est-à-dire qu'on imagine qu'une marque a contacté ton agent, Wilson a contacté ton Ouais. agent, et derrière, ça se passe comment? On t'envoie une grosse valise de club, tu dis d'abord ce que toi tu veux, comment ça se passe? Avant de signer un contrat, moi, je voulais essayer les clubs. Mais bon, Wilson a été, on va dire, la marque la plus entreprenante parce qu'ils sont venus à la finale du Challenge Tour. Ils avaient déjà monté une série. Ils avaient déjà pris mes specs en milieu d'année pendant quand il y avait un camion sur le tournoi. Donc, ils m'avaient monté une série à l'identique de ce que je jouais déjà chez le TaylorMade. Ils sont venus. Le lundi après-midi, j'ai tapé des balles avec eux. Donc, j'ai déjà eu un super feedback sur la qualité des fers et j'ai adoré. Donc, on va dire qu'ils se sont vraiment donné du mal pour essayer de m'avoir. Ensuite, ça a été relativement rapide parce que je suis vite reparti en Afrique du Sud sans avoir l'impression de changer de club. J'ai joué avec mes clubs, mon set actuel de l'année 2023. Et quand je suis rentré, j'avais reçu tous les clubs de Wilson, donc tous les wedges, ma série de fer, même un 3-4-5 en CB, pas en MB, voilà, sac, enfin, gants, tout le matos. Et à partir de là, bon, là, j'avais décidé de signer avec eux. On est tombé d'accord sur les termes du contrat. Et depuis, ben, on n'arrête pas de discuter pour avancer sur les détails en fait des clubs. Déjà, ils avaient des bonnes specs via Alexandre Dinko, qui on leur a donné si tu veux, la base de mes clubs. Alexandre Dinko, ton clubmaker dans le sud-ouest. Et exactement, qui est à Seignos. Et donc, on avait déjà des bons, enfin la base. Et je voulais essayer aussi 3, 4, 5 en CB et pas en lame. Donc, ils m'ont monté ça. Ils m'ont envoyé ça, et des wedges aussi, différents bounds. Donc j'aurais fait un débrief là-dessus sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et eux, ils sont super à l'écoute. Ils essayent vraiment d'améliorer à chaque fois les clubs avec tous les joueurs. Donc j'ai eu le droit à ça. Et puis quand j'ai été à Dubaï, j'ai passé une journée avec eux pour essayer différents clubs aussi, Rescue, Driver, Bois 3, mais sans mettre une pression pour que je les joue finalement. C'est surtout pour petit à petit. Peut-être faire rentrer un club de plus dans mon sac et me faire aussi peut-être rentrer la balle, mais ça j'ai pas changé parce que bon, c'est quelque chose de très important. Je suis toujours avec la taille test, la V1, mais voilà quoi, c'est tranquillement ils avancent avec moi et on avance pour faire évoluer mon sac dans le bon sens. Quelques phrases sur les fers. Tu as choisi, tu fais un combo comme Ouais, tu nous as dit. Tu vas mixer ouais, cavité et les blades, les Wilson Blades qui sont magnifiques d'ailleurs. ouais. Elles sont Quelques canons, ouais. mots, Elles ça sont se passe canons. comment avec ces fers? Super, il partait un peu trop fort. Je trouve que les clubs, les lames partent un peu plus vite, enfin les balles partent plus vite de la balle que j'avais, de la face que j'avais avec mes Taylor. Mais bon, on a un peu ouvert les lofts. Il y a une petite insert. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a un petit insert de tungstène au niveau du talon. Ce qui fait, c'est que même le talon, on va dire que c'est pas une balle un peu morte et faible qui va à droite. Donc, ça garde une bonne distance. Donc ça, c'est pour les blades. Et après, les CB, j'ai trouvé ça, enfin, je trouve ça super facile à jouer, quoi. 3, 4, 5, je mets beaucoup de hauteur, pas mal de spin, c'est des bonnes distances. Donc honnêtement, c'est un super super changement, quoi. Je me régale avec les clubs, ouais. Je me On les régale. a testés, on vient de les tester, les CB. On avait pareil comme toi, on a trouvé une belle tolérance, une belle hauteur de face, plus de hauteur de Ouais. face que sur le C, que sur la lame. Donc, même toi, tu as besoin d'une petite aide sur les fers 3, 4, 5. Exactement, c'est plus aller chercher une trajectoire un peu différente, chercher un peu plus de hauteur et plus de spin.
dans la facilité, dans la tolérance du contact, parce qu'on joue quand même des greens qui sont assez fermes, et j'ai plus de longs clubs à taper sur le tour que sur le challenge tour. Je pense que j'en aurai beaucoup plus. Donc pour moi, c'est important d'avoir des clubs, ouais, qui me permettent d'avoir cette régularité. Et le but, c'est de se faciliter la vie aussi, hein. Pas besoin de toujours jouer des lames, des lames, des lames, alors que les CB sont très bons, quoi. On passe au driver. Donc, comme tu l'as très bien dit, tu as que 9 clubs, tu n'es pas tenu de le jouer. On l'a testé la semaine dernière, le driver carbone. Pour tout te dire, on a Ouais. eu les mêmes chiffres qu'avec le driver Taylor. Donc, un driver hyper performant et en plus qui est pas cher du tout. J'ai essayé le driver, mais il ne m'avait pas monté l'échafe que j'ai reçue. Je joue moi des échafes TPT. Ils ont reçu l'échafe, mais ils les ont coupé un tout petit peu trop court. Je me sentais pas super à l'aise par rapport au échafe que j'avais actuellement. Je suis d'accord avec toi, le rendu de trajectoire et de vitesse de balle sur le driver Wilson, franchement, canon. J'ai bien aimé la forme de la face. Après, on est encore dans les détails, à savoir si je prends la petite tête ou la grosse tête, les lofts, trouver les spins et tout. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça super bon, quoi. Il manquerait pas grand-chose pour que je le mette dans le sac. Après, voilà, c'est un peu le début de saison. J'ai pas envie de tout changer non plus tout de suite. C'est un club, mon driver, c'est une force. Donc, j'ai pas envie, tu vois, de tout de suite me mettre un peu dans le rouge si ça va pas, quoi. Tu avais le Stealth 2 en 2023. Est-ce que tu Ouais. restes chez ce driver de Taylor ou est-ce que tu es passé au QI10 Ouais, de Taylor? je suis passé sur le QI10, ouais, complet, parce que j'ai eu un fitting aussi avec Taylor, je voulais essayer. Le driver, moi, la tête ressemble beaucoup au Stealth 2, je trouve. J'ai la petite tête qui me plaît beaucoup, et ça a été super rapide, en fait. Je l'ai mis dans le sac direct, et là encore, voilà, je l'ai tapé, je le tape en ce moment. Et je pense que, enfin, je suis sûr qu'il sera dans le sac cette semaine, donc, voilà. Je reste fidèle à TaylorMade pour le driver. Ça représente quoi, Wilson, pour toi? Parce que pour nous, c'est dans les années 80, c'était Bernard Langer, puis Vijay Singh. Les meilleurs joueurs de la planète au siècle dernier jouaient Wilson. Il y a eu un petit trou ensuite. Ils sont, je trouve, un petit peu fourvoyés sur des clubs un peu bas de gamme pour débutants et qui n'étaient pas terribles. Et là, ils reviennent. Ils refont des clubs vraiment de très bonne qualité avec un super rapport Ouais. qualité-prix. C'est une marque, je vois qu'ils font beaucoup de progrès comme toi, parce que moi j'ai pas connu la période, enfin j'ai connu, mais bon, j'étais pas à fond dans le golf à l'époque, Langer, Vijay Singh, dans les premières années. Mais on va dire que je vois qu'ils font vraiment des progrès, je vois qu'ils sont là, qu'ils sont constants, qu'ils sont présents, qui demandent en tout cas à des conseils pour améliorer. Ils ont des bons joueurs, ils avancent beaucoup là-dessus. Moi j'aime bien le logo, j'aime bien, je sais pas pourquoi, je trouve que Le Wilson, il y a sac est aussi le côté magnifique. tennis. Ouais, le sac est splendide, les covers sont beaux. Je trouve que le côté tennis, c'est sympa aussi. C'est une marque qui est pas juste dans le golf, quoi. C'est une marque qui a du succès dans plein d'autres sports. Et Roger moi qui joue au padel, Federer, je suis... entre autres. Ouais, Federer, et ouais, carrément, ouais. Et moi qui joue au padel, je suis content parce que je vais pouvoir avoir quelques raquettes de padel de bonne qualité. Donc, je vais pouvoir me régaler aussi en dehors du golf. Ça pèse, Wilson, sur le circuit européen. On voit beaucoup le camion Callaway, le camion Titleist, le camion TaylorMade et Ping, bien sûr. Mais est-ce que tu as les mêmes moyens sur le circuit avec Wilson pour régler tes clubs ou les réparer que les autres grandes marques? Alors, je pense qu'ils ont moins le camion présent, ça c'est sûr. Mais après, ils ont moins de joueurs aussi. On doit être 5, 4, 5, 6, tu vois. Et ça fait une différence parce que les mecs, ils sont là pour toi. Tu leur demandes un truc, tu passes pas derrière Rory, qui est, tu vois, qui il faut un driver ou un sandwich. Forcément, tu es derrière. Bon, après, j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais peut-être quand il y a Padraig Harrington. Là, je dis pas parce que Padraig, c'est un peu leur dieu. Mais honnêtement, les mecs sont super sympas. Ils sont super à l'écoute. Ils ont pas la grosse tête. Ils te demandent de leur donner des conseils, des feedbacks sur les clubs. Ils sont pas oppressants sur les termes du contrat. Il faut absolument que tu aies 9 clubs au moins, que tu fasses ça. Tu vois, si on a envie d'enlever le fer 3 et le fer 4 pour mettre un rescue sur un parcours, ça peut arriver. Et ils sont pas chiants, quoi. Donc, honnêtement, pour l'instant, je m'entends super bien avec eux. C'est un régal, ouais. Tout récemment, à Dubaï, tu as joué avec Adam Scott, en plus d'être une icône du golf mondial. C'est un joueur qui est free agent, qui n'a pas de contrat, qui n'est pas lié avec les marques de matériel. C'est d'avoir Ouais. partagé 9 trous avec lui, d'avoir échangé sur le matériel, ça t'a conforté dans cette idée de ne pas être pieds poings liés avec une seule marque. Ouais, je pense que c'est important, surtout pour quand on voit à quel point son sac peut être disparate au niveau des clubs, parce qu'il a un long putter qui est un lab, il avait trois drivers dans le sac, il avait des fair ping, des wedge bokeh. J'ai pas vu tous les bois, mais je pense qu'il y avait un striction, il y a des trucs qui traînent qui sont bizarres et qu'on voit pas normalement chez un mec comme lui qui est censé. Avant, il avait tout avec les, le mec était
C'était magnifique. Mais je pense que là, il est arrivé à un stade où en fait, il a dit, bon, voilà, je suis pas content des fers, je suis pas content de certains trucs, et voilà, je préfère essayer à droite, à gauche. Et quand il y a du nouveau matos, je lui ai dit, en vrai, je lui ai dit, putain, mais quand les agents, quand les marques, elles ont appris que t'étais free agent, que t'avais plus de contrat, t'as dû recevoir. Il fait, ouais, j'ai reçu 7 sets de fers à la maison. Toutes les marques m'ont envoyé, Murat, tous, ils m'ont envoyé un truc. Donc le mec, il a dû passer quelques heures à taper des balles quand même et à faire des choix, je pense. Mais ouais, pour le coup, ça me conforte dans le délire des 9 clubs. C'est super bien. Comme ça, je peux avoir au moins le driver et le bois 3, le driver et le putter où je veux, quoi. Même le sandwich, parce que le sandwich, c'est important aussi. Quelle a été la réaction des autres joueurs français, des amis sur le circuit, quand ils t'ont vu arriver avec le gros sac rouge iconique Wilson? Honnêtement, ils chambrent un petit peu. Parce que la plupart, ils sont, comme tu dis, pieds et poings liés avec des marques. Après, ils ont des bons contrats aussi. Tout le monde est content. Mais bon, je m'en fous. Moi, chacun fait son truc. Tant que je suis content avec mes clubs et que ça tape bien et que à la fin, les résultats sont là. Bon, on verra. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais moi, je sens que je suis content avec les clubs que j'ai et le service et tout. Et je suis content de pouvoir faire partie aussi j'espère, des joueurs qui feront un peu redorer le blason de Wilson en France ou en Europe. Parce que franchement, les clubs, c'est quand même les wedges, c'est grosse qualité, quoi. C'est un régal de jouer avec. Donc non, c'est très cool. C'est le début de saison aussi pour les amateurs. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Voilà, même s'il y a des nouveaux clubs qui paraissent encore plus brillants et qui annoncent plus de distance et tout, je vous encourage à plutôt aller changer quelque chose qui ne marche pas. Parce que si on est 10 ou 15 index, c'est quelque chose qui tourne pas rond et ce n'est pas forcément le driver. Donc c'est peut-être prendre des nouveaux wedges parce que les vôtres sont usés, spinnent plus et les balles elles vont n'importe où. C'est peut-être prendre un bois 5, un bois 7 qui fait que la balle se lèvera plus facilement. Mais voilà, faites quelque chose qui améliorera vos jeux, on va dire beaucoup, plutôt qu'aller chercher dans les petits détails d'un driver, quoi. Je sais pas Ouais. si je me fais que des amis en disant ça, mais voilà, c'est mon conseil. En tout cas, ça vient du cœur et ça vient Ouais. du circuit européen où tu es désormais. Hugo, tu es l'un de nos joueurs favoris sur le circuit européen. On rappelle que tu es rookie, que c'est une nouvelle année et on te souhaite évidemment bonne chance pour 2024. Merci beaucoup, merci Benjamin.